c'était le centenaire des combats qui, en 1915, se sont livrés sur le front des Vosges. Un front de la Première Guerre mondiale, un petit peu oublié, tout à fait injustement oublié, si l'on considère l'ampleur des sacrifices qui ont été consentis dans les deux camps, qu'il s'agisse de ceux des chasseurs, des diables bleus français, ou des Bavarois qui leur étaient opposés. Que se passe-t-il donc dans cette région? Quand la guerre commence, elle est couverte, la frontière de l'Est, la frontière des Vosges, est couverte par la première armée du général Dubail. Mais dès les tout premiers jours de la guerre, les Français lancent une offensive un peu inattendue par sa rapidité dans le sud de l'Alsace, à partir de Belfort, en direction de Mulhouse. Et le succès est apparemment au rendez-vous, puisque les Français vont entrer à Mulhouse. Ça ne va pas durer longtemps, car ils vont être confrontés rapidement à de puissantes contre-attaques de l'adversaire, et ils vont se replier au bout de quelques jours. L'armée d'Alsace du général Pau va être contrainte de se replier. On va conserver simplement l'arrondissement de Thann, qui pendant toute la durée de la guerre va bénéficier du titre d'Alsace libérée. Pendant ce temps, à partir de la fin du mois d'août, des combats importants se déroulent sur la ligne de crête des Vosges. Hein, le contrôle de la crête, évidemment, c'est important. Des combats notamment au col de la Chipote. À partir de la mi-septembre, en gros, le front va se trouver stabilisé. Rien n'était évident, car dans le même temps, la 2e armée Castelnau, qui s'était avancée en direction des étangs de Lorraine en même temps que la première filait sur Sarrebourg, eh bien, avait dû se replier dans des conditions difficiles du fait des contre-attaques déclenchées par les Allemands à partir des Vosges du Nord et à partir de Metz. Et il a fallu tout le savoir-faire du général de Castelnau pour contenir la poussée allemande sur Nancy lors des combats du Grand Couronné et pour stopper la poussée allemande en direction de la Trouée de Charmes. Exploit d'autant plus remarquable que ces premières et deuxièmes armées qui se trouvaient déployées à l'est de la France, eh bien, Joffre, le commandant en chef, était contraint de prélever sur elles bon nombre d'unités pour les déployer lors de la bataille de la Marne. C'est comme ça qu'est constituée la 9e armée de Foch, hein, et puis pour ensuite gérer ce qu'on va appeler la course à la mer, tout à fait au nord-ouest du front. Donc, que se passe-t-il à partir de ce moment-là dans les Vosges? Un terrain évidemment particulier. On a là un terrain, il s'agit de moyenne montagne, hein, mais un terrain très accidenté, avec des dénivelés, des pentes très marquées, avec un massif forestier extrêmement dense, difficilement pénétrable, hein, pour des gens qui ne sont pas, du cru. Et pendant toute l'année 15, eh bien, cette ligne de front va être le théâtre de combats furieux, depuis le Donon au nord, jusqu'au nord de Thann, au sud du massif vosgien. Hein, il s'agit de contrôler des points de passage obligés, de contrôler des points hauts, des observatoires. Hein. Globalement, au nord du col de Sainte-Marie-aux-Mines, ce sont les Allemands qui ont pénétré en territoire français. Le front se trouve en territoire français, sur une faible profondeur, d'ailleurs. Et au sud, c'est l'inverse. Au sud de la tête du Violu, hein, après le col de Sainte-Marie-aux-Mines, à partir du col du Bonhomme, ce sont les Français qui contrôlent la ligne de crête, qui se sont avancés en territoire allemand, où ils occupent un certain nombre de positions, depuis la tête des Faux jusqu'au vieil Armand, l'Hartmann-Villerkopf, qui sera l'un des hauts lieux de cette guerre des Vosges. Alors nous sommes là donc dans le contexte d'une guerre de montagne. Alors ce n'est pas du tout la guerre de montagne du front austro-italien, où on se bat à 2 000-3 000 mètres d'altitude, où on se bat dans les glaciers, où on monte en pièces détachées de l'artillerie à des altitudes tout à fait étonnantes. C'est de la moyenne montagne, mais peu pénétrable, sans vue lointaine, hein, et où l'essentiel va être de contrôler les hauts pour disposer de postes d'observation sur les entreprises de l'ennemi. Alors, ce qui fait que en décembre 14, les Français vont ouvrir en quelque sorte le bal des combats de 1915 en s'emparant de la tête des Faux, et
jusqu'à la fin de 1915, eh bien, toute cette ligne des Vosges va être le théâtre de combats furieux. Un calme relatif, mais un calme quand même va revenir de 1916 à 1918 par la suite. Au nord, on va avoir autour du Donon, en février, près du col de la Chapelotte, des combats furieux, avec une guerre des mines qui va se mettre en place particulièrement redoutable. On va se battre pour le contrôle de la tête du Violu, qui commande l'accès à la vallée de Sainte-Marie aux mines. Hein. Les Allemands, c'est simple, de leur côté, veulent assurer la sécurité de la plaine d'Alsace, hein, qui est sur leur territoire à l'époque. Quant aux Français, ils veulent avoir des observatoires justement sur cette plaine d'Alsace afin de pouvoir y gêner l'action, les déplacements de l'ennemi. Alors tout a commencé, je l'ai dit, le 2 décembre 14 avec l'attaque de la tête des Faux à 1200 mètres d'altitude. Les Français vont s'en emparer au prix de lourdes pertes, d'assauts furieux, et vont conserver la position jusqu'en 1918 malgré de très nombreuses contre-attaques allemandes qui sont régulièrement repoussées, ce qui permet aux Français de couvrir les villes qui sont à proximité, Remiremont et Gérardmer en particulier. On voit bien sur ce front-là que la percée qui préoccupe les états-majors en Champagne, en Artois, en Picardie, ailleurs, n'est pas l'objectif principal. Il s'agit surtout, encore une fois, de contrôler les hauts. Alors pour contrôler ceci, on va avoir des offensives, des contre-offensives qui vont se succéder pour gagner parfois seulement quelques centaines de mètres, hein, et avec des combats extrêmement sanglants. Il y a des lieux en particulier qui vont apparaître comme particulièrement marquants de ces combats des Vosges. Il y en a deux, surtout le Lingekopf, que les Français appellent le Linge, et puis l'Hartmann-Willerkopf, que les Français appellent le Vieil-Armand. Le Linge, tout d'abord. Le Linge, c'est une hauteur, une sorte de petite citadelle naturelle qui se trouve entre le col du Bonhomme et le col de la Schlourte, en avant de la ligne de crête, et donc un observatoire possible sur la plaine d'Alsace. C'est un secteur qui est resté tout à fait calme au début de la guerre, mais les Bavarois vont s'en emparer, vont l'occuper en février 1915. Alors les Français veulent les chasser, s'emparer de la position, et le commandement français va préparer une grande offensive décidée à partir de la fin avril. Le commandement français, à qui avons-nous affaire? Il y a une armée des Vosges, la 7e armée des Vosges, d'abord détachement d'armée, ensuite 7e armée, confiée au général de Mauduit, et elle comprend deux divisions d'infanterie, la 47e division d'infanterie du général Hameau de Poudraguin et la 66e division d'infanterie du général Serré, un personnage mythique de la guerre de 14 qui sera tué au combat, qui fera l'objet d'un livre d'Henri Bordeaux à sa gloire ensuite. Hein. Alors ces grandes unités, ces divisions d'infanterie, elles sont constituées pour l'essentiel de bataillons de chasseurs. Des chasseurs à pied ont acquis ensuite une spécialité alpine, hein, qui était déployée normalement sur les frontières des Alpes face à l'Italie. Or, la neutralité italienne proclamée en août 1914 a fait que l'on a déplacé ces troupes, qui étaient des troupes d'une remarquable rusticité, extrêmement résistantes, parfaitement adaptées au milieu montagnard, dotées de plus d'un excellent moral, d'un esprit de cohésion tout à fait remarquable. On les a déployés, ces chasseurs, sur le front des Vosges, et les batailles des Vosges vont être liés à la mémoire des chasseurs, ceux que les Allemands à la tête des Faux ont baptisé les Diables Bleus. Hein. Les Diables Noirs, disait-il, à cause du caractère sombre de leur uniforme, les Français vont reconvertir cela en Diables Bleus, et c'est l'expression que l'on conservera pour désigner ensuite ces troupes d'élite, ces bataillons de chasseurs qui vont payer un très lourd tribut pendant cette bataille des Vosges. Il faut aussi faire la place à certaines unités de l'infanterie normal, hein, notamment le 152e régiment d'infanterie, le fameux 15-2, qui lui va gagner à l'Hartmann-Willerkopf le surnom de Diable Rouge.
pour désigner ces hommes, diable bleu, diable rouge. C'est ainsi que l'on a rendu compte du caractère tout à fait exceptionnel, des qualités militaires tout à fait exceptionnelles de ces hommes engagés dans ce milieu bien particulier. Alors, comment les choses vont-elles se passer en ce qui concerne le linge? Eh bien, au mois de juin, la 47e division d'infanterie va se lancer en direction de Münster et va obtenir un certain nombre de résultats, puisque dès le 21 juin, Metzeral est prise, la route de Münster semble ouverte. Et le général de Poudraguin voudrait filer en avant, bénéficier de ce premier succès, poursuivre en quelque sorte l'ennemi pour déboucher sur la plaine d'Alsace. Seulement, le commandement hésite et préfère contrôler d'abord les hauts pour garantir en quelque sorte la sûreté de la sûreté de la manœuvre. Ça veut dire qu'on n'exploite pas ce premier succès. Hein, une première offensive marquée par des faits d'armes tout à fait remarquables. Il y en a un en particulier qui est entré dans la légende des combats des Vosges. Ce sont les combats de l'Ilsenfirst. L'Ilsenfirst, c'est une position avancée par rapport à la crête des Vosges. Et lors des actions conduites en juin 1915, eh bien, une unité de chasseurs du 7e bataillon de chasseurs a réussi à s'emparer de cette hauteur, mais cette unité s'était portée loin en avant, et du fait des contre-attaques allemandes, elle va se retrouver encerclée. Hein, environ 120 hommes et 6 ou 7 officiers, encerclés par les Allemands, et évidemment avec la perspective d'être rapidement réduit, puisque la quantité de munitions disponibles est limitée, les vivres également sont limités à une journée, il y a un problème du contrôle d'un point d'eau voisin. Or, cette troupe, elle est dirigée par un chef d'exception, le capitaine Manès. Je signale d'ailleurs que l'on vient de rééditer aux éditions Pierre de Taillac les carnets du capitaine Manès qui raconte sa guerre dans les Vosges. Tout à fait, un document tout à fait exceptionnel. Et ce capitaine Manès, il va galvaniser ses hommes et ceux-ci vont réussir à tenir pendant 3 jours. Il y a même un épisode qui est devenu une image épique de la Première Guerre mondiale. Les Allemands avaient rassemblé des pierres sur cette hauteur pour y installer des abris bétonnés, maçonnés. Or, les munitions manquaient et lors de certaines contre-attaques allemandes, eh bien, les chasseurs ont balancé sur les pentes les pierres en question pour se défendre contre les assauts allemands. Alors que quand cet épisode a été connu, on imagine l'écho qu'il a eu dans la presse française. On a représenté bien sûr cette geste épique du 7e bataillon de chasseurs. Et au bout de 3 jours, une contre-attaque française de 2 autres bataillons de chasseurs va permettre de débloquer les hommes de Manès qui de toute manière étaient à bout de ressources en termes de munitions et de vivres et qui avaient prévu non pas de se rendre mais de tenter une sortie pour échapper à la nasse. Donc l'épisode de l'Ilsenfirst qui est un grand moment de cette campagne des Vosges. Pendant ce temps, les hésitations du commandement après la percée réalisée en direction de Münster ont fait que l'ennemi a pu réagir parce que les Français étaient en position là, de devoir mettre en place une ligne de départ aménagée, d'amener de l'artillerie. Or, pour les Français, les choses sont compliquées sur ce front des Vosges. Hein. Les bases arrières, les dépôts, ils sont à Gérardmer, à 20 km en arrière, et il faut amener le nécessaire, le ravitaillement, les vivres, les munitions, éventuellement l'artillerie, à dos de mulet. Donc les choses sont compliquées, c'est beaucoup plus simple pour les Allemands, qui sont du côté des Vosges où le versant tombe beaucoup plus à pic, et où il leur est beaucoup plus facile d'accéder directement aux positions qu'ils entendent défendre. En tout cas, on va se lancer à l'assaut du linge le 20 juillet, à l'assaut du Lingekopf, hein, mais une attaque trop tardive. L'adversaire a eu le temps de se fortifier solidement au sommet de la hauteur.
C'est la 3e brigade de chasseurs du lieutenant-colonel Messimi qui va être chargé de l'attaque. Alors, le lieutenant-colonel Messimi, il faut quand même préciser, c'est intéressant, qu'il était ministre de la guerre en 1914 et qu'il a abandonné son portefeuille pour revêtir l'uniforme. Il était lieutenant-colonel de réserve et prendre le commandement, donc, d'abord d'un bataillon et puis ensuite d'une brigade de chasseurs composée du 30e BCA, du 14e BCA. Pour donner un petit peu une idée des sacrifices consentis, le seul 30e BCA en 6 mois va avoir 2 chefs de corps qui vont être tués au combat. En effet, l'ennemi s'est fortement retranché au sommet. Il a déjà annoncé que le linge serait le tombeau des chasseurs, hein, c'est l'expression qui est restée ensuite. Et quand les premières vagues d'assaut sont lancées, effectivement, elles sont fauchées par des feux de mitrailleuses bien ajustés. Apparemment, les choses paraissent impossibles. Mais les assauts sont relancés régulièrement et le 26 juillet, les chasseurs réussissent à entamer la ligne de crête, à prendre position en partie sur le sommet. Ils subissent des contre-attaques, de lourdes pertes, mais se maintiennent. À la fin du mois d'août, l'offensive se rallume. On gagne encore quelques centaines de mètres avec désormais des vues sur l'Alsace. C'était ce qui était visé. La contre-attaque allemande du 31 août est extrêmement violente, d'autant que les Allemands, pour la première fois, utilisent des lance-flammes, ce qui est un armement nouveau qui a de quoi terroriser évidemment l'adversaire. Les combats se prolongent encore en octobre, dans la première quinzaine d'octobre, et après, les adversaires de part et d'autre, complètement épuisés, vont tenir leur position sans plus. En 3 mois, 18 000 hommes sont tombés sur les pentes du linge français ou allemand. Un journal alsacien de l'époque, d'ailleurs, a pu écrire que cette hauteur, c'était un véritable Golgotha pour les combattants. Alors, on va retrouver un scénario un peu comparable à l'Hartmann-Villeurkopf, qui se trouve tout à fait au sud du massif vosgien, au-dessus de Cernay et de Tannes. Au départ, c'est un coin tranquille, tenu par un simple peloton français, mais en janvier 1915, les Allemands viennent s'en emparer en force et en prennent le contrôle. À la suite de cela, on va avoir toute une série d'attaques et de contre-attaques qui vont se succéder en février et au mois de mars, avec un effort particulier le 26 mars, où là on voit engager à la fois les fantassins du 152e régiment d'infanterie que j'évoquais tout à l'heure, et les chasseurs du 7e bataillon de chasseurs, celui du capitaine Manès, dont nous évoquions la figure il y a un instant. Ils vont reprendre la crête, nous sommes là le 26 mars, mais les Allemands vont revenir en contre-attaque avec de forts appuis d'artillerie. On va être chassé du sommet. Contre-attaque française, on va y revenir pratiquement immédiatement. La zone va se rallumer en septembre et en octobre avec une série, là encore, d'attaques et de contre-attaques extrêmement violentes. Et puis, le 21 décembre, 6 bataillons de chasseurs et le fameux 15-2 vont se lancer de nouveau à l'assaut, occuper le sommet, mais ils vont être chassés la nuit suivante, et à cette occasion, le 152e régiment d'infanterie sera presque pratiquement anéanti. Il y aura encore des combats sporadiques jusqu'en janvier 1916, mais désormais, les adversaires s'enterrent à proximité du sommet, et ce point chaud, en quelque sorte, pour évoquer un terme qui relève de la volcanologie, ce point chaud va se calmer désormais, mais après la perte de 25 000 hommes français ou allemands. Les diables bleus, les diables rouges, là, ont écrit vraiment les pages d'une légende héroïque tout à fait exceptionnelle. Alors, quel bilan tiré de ces combats des Vosges? Bien sûr, les particularités du terrain, favorables aux Allemands, puisque depuis la plaine d'Alsace, ils peuvent mettre en place des systèmes de téléphériques, de funiculaires pour monter vers leur position, ce dont ils ont besoin, là où les Français doivent pendant des heures sillonner des sentiers avec des convois muletiers pour apporter le nécessaire. C'est un front, c'est un théâtre d'opération où on a utilisé pour la première fois le lance-flammes, où l'artillerie a vu ses effets limités, alors qu'elle est la reine des batailles dans les autres secteurs, évidemment sur les autres fronts.
Même si on en a de l'artillerie, hein, l'Hartmann, il y a 30 batteries sur 10 km qui sont déployées en décembre. Hein. Un point également, le souci des Allemands de bien aménager leur position, hein, avec des tranchées bétonnées, avec des blockhaus, des casemates bien conçues, avec des plans de tir, des mitrailleuses déjà préparées avant les assauts. Hein. On voit apparaître également durant cette période les premières unités de skieurs combattants. Hein, on connaissait bien sûr l'usage du ski, mais dès le début de 1915, il y a des unités de skieurs qui sont constituées des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que les populations, les zones de recrutement concernées sont comparables. Hein, c'est la Bavière proche des Alpes d'un côté, et puis c'est le Dauphiné, la Savoie du côté français qui fournissent les troupes. Alors on s'est posé la question de l'utilité des sacrifices consentis, car dès la fin de 1915, le commandement considère qu'après tout, les observatoires sur la plaine d'Alsace sont pas aussi nécessaires que cela. Ça a surtout été une compétition de volonté pour refuser de voir l'adversaire prendre l'ascendant qui a conduit aux hécatombes que j'ai évoquées. Alors un front oublié que ce front des Vosges, oui et non, bien sûr il n'a pas laissé le même souvenir que Verdun, le chemin des Dames ou l'Artois, mais localement en revanche c'est très présent dans la mémoire des populations sur les deux versants des Vosges. La mémoire des chasseurs a été régulièrement entretenue, le mémorial du linge aujourd'hui, la nécropole nationale de l'Hartmannswillerkopf où va être inauguré un mémorial prévu pour 2017 montre bien que le souvenir de ces combats des Vosges reste quand même tout à fait présent. Qu'y a-t-il de plus simple qu'un crayon à papier ? Pas grand-chose. C'est pourtant bien utile, un petit crayon à papier. Surtout au moment de la rentrée scolaire, tous les enfants en ont dans leur trousse. Et savez-vous qui a inventé le crayon à papier ? Eh bien, c'est Nicolas Conté. Alors, Nicolas Conté, il est né en 1755 dans un tout petit village de Normandie, à côté de C. Il est né dans une famille de paysans. Le père est agriculteur et la maman est fileuse de laine. Donc, un milieu très, très humble. Hein. Il a un frère et le papa meurt très vite. Donc, laissant la pauvre maman avec charge d'enfants et la vie est très difficile. Le petit Nicolas, il est extrêmement intelligent et surtout, il aime dessiner. Alors, avec un charbon de bois, il n'arrête pas de dessiner. Il fait des portraits, des croquis. Il est intelligent et doué pour tout. Celui dont Monge dira plus tard, il avait toutes les sciences dans la tête et tous les arts dans la main. On s'en rend compte qu'il est intelligent à tel point que le couvent du coin va accepter de le prendre comme élève gratuitement ou presque. Et là, il est effectivement excellent élève, il est repéré même par l'évêque. Et un jour, la mère supérieure du couvent veut faire décorer les murs de sa chapelle. Et elle fait venir un artiste local qui a une bonne réputation, bon, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Monsieur Coin. Et ce peintre qui a donc qui doit peindre 12 fresques sur les murs de la chapelle demande un aide pour broyer les couleurs, pour préparer les pinceaux, nettoyer les pinceaux, etc. Tout naturellement, on lui envoie le petit Nicolas qui regarde le peintre travailler, apprend très très vite et deux semaines plus tard, le malheureux peintre meurt d'une crise cardiaque. Bon, donc le travail reste inachevé et le petit Nicolas, qui a 14 ans, dit à tout le monde « Mais moi, je suis capable de terminer les fresques. » Alors on lui rit au nez, un gamin de 14 ans. Et puis il insiste tellement, il fait ses preuves sur un papier à côté, que finalement la mère supérieure dit « Après tout, pourquoi pas, on pourra toujours badigeonner si c'est pas bien. » Et il fait quelque chose de formidable. Tout le monde est absolument ébahi par le talent de ce jeune homme et il commence à avoir des commandes de portraits des gens du coin. Parallèlement, il se passionne pour la géométrie et toute
toutes les sciences physiques, mais évidemment, ce n'est pas au couvent qu'il peut apprendre ça. Mais par exemple, il invente une machine qui va servir aux géomètres pour borner les terrains. Tout ça avant 18 ans. Il tombe amoureux d'une très jolie jeune veuve qui a son âge. Elle s'appelle Victoire des Pâtisses. Et elle est veuve à 20 ans. Bon, ça arrivait. Ils sont fous amoureux, tous les deux. Mais la famille de la belle Victoire des Pâtisses, même si elle est veuve, dit non, fils de laboureur, c'est vraiment pas possible. Non, ça serait une mésalliance. La mère supérieure du couvent, l'évêque, soutiennent Nicolas Conté, mais lui disent, mon ami, vous êtes un peu jeune, allez faire vos preuves à Paris. Donc le voilà, le cœur déchiré, qui part à Paris. Il part dans l'atelier de Greuze, où il va apprendre aussi beaucoup, en particulier pour les portraits. Et il apprend aussi l'art de la miniature, ça se faisait beaucoup. Et puis, il se rend compte que c'est vraiment la science qui l'intéresse le plus. Il revient, ayant gagné quand même un peu ses galons de peintre sérieux. Le mariage a eu lieu et il sera très heureux avec Victoire. Ils auront une petite fille en particulier. Et puis, la vie de province, bon, il vit gentiment, hein, il a des commandes de portraits, mais il veut plus. Donc, il s'installe à Paris. Dans la journée, il fait des portraits mondains, des commandes, et le soir, il travaille les sciences. Et il devient un excellent scientifique. Vraiment, c'était un homme intelligent. Il se passionne en particulier pour les ballons et l'aérostation. Et il travaille beaucoup sur la qualité de la toile, la qualité du gaz, comment faire que le ballon ait le meilleur mélange de gaz possible, la combustion, l'école qui tenait les toiles entre elles pour pas que ça dégénère quand avec la chaleur ou le froid. Bref, il a l'esprit pratique. La révolution arrive et tout naturellement, on lui demande de s'occuper de ballons, bien sûr, parce qu'il va y avoir des ballons pour l'armée du Nord. Et il va faire ça très bien. Il dirige toute une équipe de jeunes gens qu'il forme. C'est un grand pédagogue aussi. Et dès que quelqu'un ne comprend pas, il fait un dessin. Il a ce sentiment qu'un bon dessin explique mieux qu'un long discours. La révolution donc s'installe, et on sait les méthodes des révolutionnaires. On voit qu'il est doué pour tout, donc les révolutionnaires lui disent « Vous avez une semaine pour inventer un crayon, parce que nous n'avons plus la source de graphite qui était en Angleterre avec le blocus. Donc une semaine, et sinon, attention, votre famille va en pâtir. » Alors ça motive hein, pour inventer des choses. Et en une semaine, il va trouver un mélange. Alors il y a du carbure de fer, il y a du kaolin, il y a du graphite, il y a de l'argile, il y a de l'eau. Tout ça avec, il le fait cuire et il l'insère dans du bois de cèdre et le crayon que nous connaissons maintenant est né. Mais bon, pour lui c'est juste une petite invention comme ça, c'est pas très important. Il faudrait que ce soit ses amis qui insistent pour qu'il dépose un brevet à son nom et il va même faire une petite usine de crayons et puis travailler sur les crayons de couleur, ayant inventé le crayon noir. Et les crayons Conté, eh bien, existent toujours. Ils ont été rachetés par Bic, mais ça existe toujours en souvenir de Conté. Avec Bonaparte, c'est une autre ère de sa vie qui va s'ouvrir. Et à un moment où il est quand même déstabilisé, parce qu'en 1795, un coup de vent malheureux dans son atelier va provoquer une explosion épouvantable et il va être criblé de morceaux de verre des cornues et il va perdre un œil. Donc on le verra toujours avec un bandeau sur l'œil. Il est lacéré, c'est un accident très très grave, mais ça va pas l'empêcher de continuer sa carrière. Et Bonaparte va l'emmener en Égypte. Et là, ce jeune homme, il est encore assez jeune, va se montrer extraordinaire. L'expédition d'Égypte, vous savez, avec beaucoup de savants, c'est un moment assez rare dans l'histoire universelle. Et Conté va se montrer l'homme de la situation. Il va créer
des manufactures pour tout, en partant de zéro, parce que même les outils ont été perdus dans les naufrages ou ravagés par les habitants qui ont attaqué en particulier le Caire. Donc il va tout recréer. Bonaparte commence par lui dire « il me faut pour mes soldats du pain et de la bière, qu'à cela ne tienne, dans la semaine il y a un four, des moulins à vent et puis une brasserie pour la bière ». Mais il va faire bien plus, il va toucher à tout, absolument tout. Il va faire des objets pour les géomètres, il va faire des outils pour les chirurgiens, il va faire des armes, il va faire bien sûr des ballons. Bref, c'est l'homme, vraiment, l'homme qui a le plus contribué au progrès en Égypte. Et il a eu l'intelligence de recruter des ouvriers parmi la population locale. Alors il y avait la barrière de la langue, bien sûr, il ne parlait pas arabe, mais il avait toujours ce grand carnet sur lui et il dessinait ce qu'il voulait faire passer comme message. Et il a formé des centaines de jeunes Égyptiens intelligents qui lui vouaient un véritable culte parce qu'ils savaient tout faire. Alors Bonaparte, qui était certes amoureux de Joséphine, avait quand même une petite amie sur place. Bonaparte, vous savez, va quitter l'Égypte précipitamment, mais il voulait emporter un portrait de sa petite amie et il va insister pour que Conté fasse le portrait de cette jeune femme. Conté traite ça par-dessous la jambe parce qu'il avait vraiment des choses beaucoup plus sérieuses à faire, mais il va quand même faire ce portrait. Il va revenir dans des bateaux anglais, puisque vous savez que tout le contingent français va rester en Égypte alors que Bonaparte est rentré précipitamment, hein, ça c'est après Aboukir. Il va trouver sa place prise quand il rentre en France, mais il fait quand même partie des directeurs du Conservatoire des Arts et Métiers. Sa santé est quand même ébranlée et puis sa chère Victoire est morte, son petit frère est mort aussi. Bref, il n'a plus vraiment envie de vivre et il va s'éteindre à 50 ans. Juste après Austerlitz, il entend, c'était le 6 décembre 1805, il entend les canons tonner en l'honneur de la victoire d'Austerlitz du 2 décembre, et il va mourir en disant « Mais quel génie contrôle les destinées de la France ?» Voilà, c'était la vie de l'inventeur du crayon, mais pas seulement, Nicolas Conté. Alors, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Ardina, qui est un géographe que nous avons reçu déjà à deux reprises, Catherine et moi. D'abord pour un ouvrage, un livre intitulé « Comprendre la mondialisation en 10 leçons », paru aux éditions Ellipse, qui a été réédité en 2014, qui est un ouvrage de géopolitique. C'est un ouvrage qui correspond à la spécialité de Gilles Ardina, puisque c'est un agrégé de géographie qui enseigne au lycée de Béziers et à l'université de Montpellier. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec lui d'une question d'histoire, comme nous l'avons déjà fait. D'ailleurs, c'est la troisième fois que nous le recevons, puisqu'il y a quelques mois, il est venu s'entretenir avec nous de la croisade des Albigeois, de l'hérésie cathare. Et nous avait expliqué à l'époque comment ce géographe de formation, il était devenu un historien médiéviste, se passionnant pour cette séquence de notre histoire, et spécialement dans la région qui est la sienne, dans ce Midi toulousain, dont on sait l'importance qu'il a revêtue au cours du Moyen-Âge, à l'époque des troubadours, des cours d'amour, avant que n'intervienne le drame, la tragédie de la croisade albigeoise. Alors j'aimerais pour nos téléspectateurs que vous nous rappeliez un petit peu les raisons de cette métamorphose, de cette conversion à l'histoire du Moyen-Âge, vous qui êtes un géographe a priori davantage tourné vers l'actualité et les choses telles qu'elles
sont aujourd'hui. Oui, mais il faut à la fois faut marcher sur ses deux jambes, à la fois être dans le présent, dans l'actualité, la géopolitique et autres, mais aussi savoir d'où on vient. La question des racines, dans une époque où on souhaite déraciner les personnes, des personnes hors sol, je pense qu'il est du devoir de tous les citoyens de se réapproprier notre passé collectif, qui est un passé glorieux, passionnant, le Moyen-Âge recèle des quantités d'informations, d'explications sur la France, sa création, son identité, ses racines monarchiques, catholiques, etc., qui donnent une vraie profondeur à la France, qui n'est pas comme ça un objet politique non identifié. Qui n'est pas né il y a deux siècles. Voilà. Donc il y a effectivement ce travail-là. C'est aussi la question d'un héritage. C'est qu'en tant que prof d'histoire géo, je pense que c'est notre devoir de transmettre un héritage historique dans sa globalité et de ne pas saucissonner en ne gardant que certaines petites périodes contemporaines. Et vous êtes une magnifique illustration de la légitimité qu'il y a à réunir histoire et géographie, comme c'est le cas dans notre enseignement secondaire depuis assez longtemps maintenant. Je crois que ça remonte en fait au début du 19e siècle, à l'époque de la Restauration, je crois. On a introduit le mariage. Le couplage disciplinaire. Entre ces deux disciplines. Oui. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une question qui recoupe un petit peu ce que vous aviez évoqué lors de l'émission que nous avions consacrée à la croisade albigeoise, puisque vous allez nous parler de l'Inquisition. Oui. Alors, l'Inquisition, attention, là, voilà un mot, n'est-ce pas, qui fait peur, qui fait frémir. Il y a toute une légende noire de l'Inquisition dont vous allez nous parler tout à l'heure. On évoque à la fois la répression du catharisme dans le midi languedocien, on évoque le rôle de l'Inquisition espagnole, qui est différente, qui se constitue à la fin du 15e siècle et qui va durer jusqu'à l'époque napoléonienne. Il y a également une Inquisition dans les états pontificaux qui fonctionne jusqu'au 19e siècle. Cette Inquisition, la première question évidemment que l'on peut se poser, c'est de savoir ce que c'est, quelle est l'origine de ce système, de ce tribunal, dans quel contexte il est apparu, dans quelle mesure était-il une réponse à la situation de l'époque. Voilà, alors nous allons parler aujourd'hui de l'Inquisition médiévale, c'est-à-dire une institution qui a été initiée par Rome et qui couvre la période des trois derniers siècles à peu près du Moyen-Âge. Donc, tout ce qui va se passer après en Espagne et autres, ce n'est pas l'objet de notamment, notre discussion. Notamment l'Inquisition espagnole, à laquelle on songe très souvent, du fait de la répression qu'elle a mise en œuvre contre les conversos, qui s'étaient faussement convertis d'origine juive ou musulmane. L'Inquisition, pour être très synthétique, trois mots, c'est un tribunal ecclésiastique d'exception. Tribunal, c'est-à-dire ce sont des juges avec une procédure, on le verra, qui est relativement avancée compte tenu des usages de l'époque. Donc un tribunal avec des assesseurs, etc., qui va juger et émettre des jugements ecclésiastiques, c'est-à-dire que c'est une création de l'Église. Il ne s'agit pas, comme dans le cas de l'Inquisition espagnole au 15e, 16e et 17e, 18e siècle, d'une création étatique. Donc c'est quelque chose qui va être plus ou moins supranational, qui a vocation à intervenir sur l'ensemble de la chrétienté. Et c'est un tribunal d'exception, c'est-à-dire que ça va intervenir en complément de la justice ecclésiastique ordinaire. C'est-à-dire que la chrétienté est organisée en territoire, avec des évêques, des archevêques, toute une hiérarchie qui est l'une des caractéristiques de l'Église catholique. Et ce sont normalement aux évêques, sur leur diocèse, d'assurer la bonne discipline ecclésiastique et d'assurer la lutte contre l'hérésie par la prédication et également par la répression. Sauf que dans certaines situations difficiles ou critiques, l'Église se rend compte que cette justice ordinaire, qu'on appelle les officialités, ne remplit pas son objectif et que l'hérésie se développe dans certains domaines. On en avait parlé il y a un moment, exemple du comté de Toulouse. Voilà, donc tribunal ecclésiastique d'exception, qui a été créé de manière progressive par un certain nombre de décrétales, c'est-à-dire des décisions papales qui vont d'abord dire qu'il faut une enquête et des preuves avant de condamner quelqu'un, qui vont ensuite préciser que les laïcs doivent être
tenu à l'écart de ce processus, hein, en tout cas dans ce qui est le jugement. Et décrétale après décrétale, au début des années 1200, en quelque sorte, va se préciser ce tribunal qui va, avec la constitution de 1231, être complètement institutionnalisé. Donc une création progressive. Le but, c'est de créer un tribunal qui soit indépendant de la justice locale. Et c'est pour ça que Rome va s'appuyer sur l'ordre des Dominicains, qui est donc créé en 1215. Les Dominicains étant un ordre de moines, marqué donc par son humilité, sa pauvreté, etc. Et des gens très mobiles qui vont avoir l'avantage de se déplacer loin de chez eux et donc de n'avoir aucun lien familial ou d'amitié avec les suspects d'hérésie, ce qui était l'un des problèmes, puisque par exemple beaucoup d'évêques et d'archevêques étaient des cadets de noblesse, et donc dans le problème des cathares, il y avait des liens familiaux. Donc les Dominicains vont fournir le gros des troupes de ce tribunal, des gens donc, qui se dévouent intégralement, qui n'ont que ça à faire, parce que le problème des évêques était aussi un problème de temps et d'efficacité, avec une formation intellectuelle et théologique et juridique pointue, pour avoir des gens qualifiés pour que ce tribunal puisse remplir son objectif. L'objectif de l'Inquisition médiévale, c'est de lutter contre les hérétiques, c'est-à-dire les chrétiens dissidents. Donc l'Inquisition médiévale a très peu, contrairement à ce qu'on dit, persécuté de juifs, très peu persécuté de sorcières ou de sorciers. La priorité, et c'est le but de ce tribunal, ce sont par exemple les cathares, tous ceux qui s'éloignent de l'orthodoxie romaine. Il faut rappeler que les procès de sorcellerie, d'abord c'est l'époque moderne. Oui, c'est plus tardif. Et en plus, c'est une justice qui est rendue par les parlements. Oui, qui est une justice laïque et qui va principalement dégénérer d'ailleurs dans le monde protestant. Oui, auquel cas l'Église catholique n'y est pas pour grand-chose. C'est dans le monde protestant qu'il y aura le plus de procès de sorcières. De sorcières avec toutes les atrocités. Par exemple, en Espagne, qui est la terre de l'Inquisition à l'époque moderne, c'est seulement la courte frange Pays Basque, Asturies, ces régions bien particulières du Nord-Ouest qui sont concernées par la sorcellerie. Le reste du pays. Voilà, donc là c'est déjà une idée reçue, attention, l'Inquisition ne cible ni les sorcières, ni les juifs particulièrement, ce sont les hérétiques. Oui, on a vu d'ailleurs un feuilleton télévisé complètement débile il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans. Merci le service public. Absolument ahurissant, le tombereau de sottises, de contre-vérité, de caricature, oui. Donc, ce qui permet de faire la transition au travers de cette série sur justement la légende noire de l'Inquisition. Parce que là, la légende noire, elle est lourde. Hein. Voilà. Alors, cette légende noire de l'Inquisition, alors ce terme de légende noire, c'est pour désigner le récit extrêmement négatif et atroce qui a été fait de cette Inquisition. La légende noire de l'Inquisition, c'est donc ce récit très chargé, très négatif, qui s'inscrit lui-même dans ce que j'appelle la légende noire du Moyen-Âge en général. Le but étant de présenter le Moyen-Âge comme une période d'obscurantisme, c'est-à-dire de régression intellectuelle formidable, dans une période d'extrême violence, dont l'Église catholique serait la principale responsable. Hein ? Donc on a une vision simplifiée, exclusivement à charge, visant à disqualifier toute une période, l'Inquisition est l'un des épisodes les plus caricaturés là-dedans. Alors, qui sont les auteurs de cette légende noire de l'Inquisition ? Ce sont principalement les penseurs des Lumières au XVIIIe. Les Lumières sont, on le sait, dans un combat contre l'Église catholique, et le plus emblématique étant évidemment Voltaire. Hein, donc Voltaire, qui est un génie littéraire incontestable, mais qui est aussi un militant politique, et qui le dit d'ailleurs assez clairement, le mensonge, la falsification font partie de ses armes dans son combat, et on sait dans Candide ou dans d'autres prises de position, il a contribué à présenter l'Inquisition sous une version effectivement tout à fait effrayante, et cette tradition des Lumières va être ensuite cultivée par tous les milieux anticléricaux, qu'ils soient protestants et surtout après républicains.
et libéraux. C'est ça, ça fait partie de l'argumentaire anticlérical, banal, cette dénonciation de l'Inquisition. Voilà, donc il faut être très clair, c'est que quand on essaie de faire de l'histoire de manière documentée, sérieuse, il faut avoir des éléments pour étayer. Et aujourd'hui, quelle que soit leur tendance, les historiens qui viennent par exemple du marxisme ou même des gens comme Chonu qui est calviniste, qui est protestant, qu'on ne peut pas soupçonner d'être soudoyé ou de complaisance, reconnaissent que cette légende noire est en fait un mythe créé à des fins politiques, mais un mythe dont l'efficacité est redoutable. Et demeure encore. Et demeure. Dans le grand public. Dans le grand public. Peu informé. Voilà. Donc, c'est l'intérêt aussi de cette émission, c'est de dire au grand public qu'aujourd'hui, pratiquement plus aucun historien ne défend cette version-là, que tous les historiens, en utilisant la documentation très importante que les inquisiteurs ont produit, puisque l'Église a le privilège, quasiment au Moyen-Âge, de la production de l'écrit. Donc on a beaucoup de documents, et ces documents montrent que les caricatures que l'on retrouve jusqu'en dans le feuilleton dont vous parlez, puis il y a également Elise Moon dans Camelot, qui a fait un sketch sur l'inquisiteur, où on est justement sur quelqu'un de complètement fanatique qui veut brûler le tout venant, etc. On voit aussi apparaître, vous allez nous en parler sans doute, Bernard Guy dans Le Nom de la Rose. Oui, tout à fait. Film admirable au demeurant. Mais aussi qui reprend aussi un certain nombre. Donc attention, il est bien évident que on verra que l'Inquisition avait des méthodes qui pouvaient être violentes et autres, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, dans un contexte historique, dans un contexte aussi plus global, en disant au grand public, cette version-là est aujourd'hui, n'est plus défendue par quiconque d'à peu près documenté sur le sujet. Et c'est vrai aussi pour l'Inquisition espagnole, on le voit avec le travail admirable réalisé par Bartolomé Benassar, par exemple, et Michel Escamilla également. Il y a des travaux là qui montrent aussi, qui remettent en question toute l'image qui a été donnée longtemps de l'Inquisition espagnole. Voilà. Donc, parce qu'il faut rappeler aussi, vous alliez peut-être le faire, rappeler ce qu'était la justice avant, le type de justice auquel on pouvait avoir recours. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Au Moyen-Âge, donc, on est encore dans des pratiques judiciaires qui nous paraissent tout à fait farfelues aujourd'hui. Magique. Avec par exemple le système des ordalies. L'ordalie, c'est une pratique qui vise, plutôt que de faire un procès, d'utiliser ce qu'on appelle à l'époque le jugement de Dieu, c'est-à-dire qu'on va par exemple brûler une barre de fer jusqu'à ce qu'elle soit incandescente, et on va demander à l'accusé de la prendre dans la main, et on considère à cette époque-là que si Dieu veut protéger cette personne-là, Dieu va intervenir de façon miraculeuse. Donc vous voyez, on soumet en fait les accusés à des tortures, et cette justice-là, qui se met en place à partir du début du Moyen-Âge, liée à des pratiques importées du monde germanique, liées à la déliquescence du système juridique romain, ces pratiques-là vont se maintenir jusqu'au milieu pratiquement du Moyen-Âge, par des juridictions laïque. Il faut qu'on soit bien clair, l'Église a toujours réprouvé ces méthodes-là et l'Inquisition ne pratiquera jamais les ordalies. Donc, faut qu'on soit très clair là-dessus. Et plutôt que de pratiquer les ordalies ou une justice complètement fantaisiste, il y a une volonté d'avoir une réelle procédure. Alors ça, c'est un élément important. Parfois, les étudiants en droit sont choqués de leur premier cours d'histoire du droit quand leur professeur leur explique que l'Inquisition a fortement contribué à l'édification de nos méthodes contemporaines. Du droit moderne, bien sûr. Donc, l'Inquisition a une postérité procédurale extrêmement forte jusqu'à aujourd'hui. L'étudiant, il ressort de son amphi un peu choqué, et puis ensuite, moyennant des arguments, des éléments que je vais vous présenter, il peut prendre l'argument historique et comprendre les choses. L'Inquisition, étymologiquement, ça veut dire aussi l'enquête, recherche. Point très important, inquisitio, donc l'enquête, inquisition, c'est un progrès dans la procédure. Parce que l'Église, et des décrétales papales sont allés dans ce sens-là, dit que la rumeur ne suffit pas à faire condamner quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va mener une enquête et il faut des preuves. Donc là aussi, on est dans quelque chose, on sort de la pensée magique, on sort de l'arbitraire, il faut des preuves. Donc mener cette enquête. Alors, on
en termes de procédure, l'Inquisition a également apporte une innovation considérable dans l'histoire du droit, qui conditionne très largement notre justice d'aujourd'hui, hein, la justice de 2015, c'est la procédure dite inquisitoire. Alors, la procédure inquisitoire, c'est une création de l'Inquisition, c'est-à-dire de l'Église catholique. La procédure inquisitoire, c'est de dire que l'institution judiciaire elle-même peut mener une enquête au nom du bien commun, sans avoir nécessairement besoin d'une procédure dite accusatoire. La procédure accusatoire, c'est ce que le Moyen-Âge avait comme norme jusqu'à la création de l'Inquisition. Cette procédure accusatoire nécessite qu'une tierce personne porte plainte. Il doit y avoir un plaignant identifié pour porter l'accusation. Et dans cette procédure accusatoire, le juge n'est qu'un arbitre entre deux parties. La procédure inquisitoire, c'est l'institution elle-même qui peut porter les chefs d'accusation sans avoir besoin d'une personne, d'une tierce personne. Tout notre système judiciaire s'est inspiré de cette procédure inquisitoire, hein, avec une particularité concernant l'Angleterre, puisque le roi d'Angleterre ne va pas accepter la présence de l'Inquisition sur son territoire, et donc le droit anglais, à partir de ce moment-là, développe une spécificité, puisqu'ils vont conserver la tradition de l'époque qui est la procédure accusatoire, et le droit anglo-saxon dont nous parlons aujourd'hui, que l'on voit s'imposer avec les tribunaux d'arbitrage, le traité transatlantique, etc., donc on apprend le droit, l'une des choses qui explique cette spécificité du droit anglo-saxon, c'est que les rois d'Angleterre n'ont pas voulu de l'Inquisition, et donc la méthode inquisitoriale, inquisitoire, que nous connaissons sur le continent, elle vient de là. Hein, donc c'est historiquement aussi une étape très importante. Alors, donc, un tribunal qui va mettre en œuvre un certain nombre de méthodes, un certain nombre de procédures bien particulières. Oui, alors la procédure était normée, c'est-à-dire que l'Église voulait que les choses soient encadrées. Et là aussi, ça constitue, de notre point de vue contemporain, un progrès. Puisque dans le combat contre l'hérésie, lorsque les laïcs s'en occupaient, c'était des débordements, des violences et l'arbitraire le plus total. Et donc l'Inquisition a pour but aussi de protéger d'une certaine manière des exactions en disant bah, il faut un procès, il faut des preuves, voilà. La personne peut se défendre. Par rapport au contexte de militaire du sac de Béziers. Alors le sac de Béziers est un très bon exemple. Alors Arnaud Amaury, le légat pontifical, n'a sans doute jamais dit « tuez-les tous du retrait traditionnel », mais ça montre l'idée où effectivement il y a des débordements. Donc l'Église veut cadrer les choses. Cadrer les choses avec des procédures. Alors la procédure, elle se fait de manière classique. Lorsque l'hérésie se développe sur un territoire que l'évêque, avec sa justice locale, ne parvient pas à l'endiguer, des inquisiteurs sont missionnés par Rome. Cette justice inquisitoriale se substitue, donc il y avait des conflits aussi de compétences juridiques, à la justice de l'évêque. Et lorsque les inquisiteurs arrivent, il y a une prédication qui est faite, avec, dans un premier temps, donc un édit de foi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'hérésie qui est détectée, on rappelle les canons de l'Église. Hein, et ensuite, un édit de grâce, c'est-à-dire une période pendant laquelle, de plusieurs jours, les hérétiques peuvent se dénoncer spontanément et réintégrer l'Église avec des peines minimes. C'est ça, en faisant une pénitence, tout simplement. Simplement des pénitences, et puis proportionnellement à la richesse, éventuellement des amendes ou autres. Donc, on a une période où l'Inquisition ouvre les portes en disant aux chrétiens dissidents, vous pouvez réintégrer la seule Église véritable sans subir les courroux de l'institution. Et pendant cette période-là, les pénitents sont incités à faire des dénonciations. C'est ça, oui. Les dénonciations étant collectées par les inquisiteurs comme une base de départ qui va permettre de convoquer, après la période de grâce, ceux qui ne sont pas vus spécifiquement se dénoncer. À partir donc de ces dénonciations, et là-dessus l'Église a toujours été très précise, il faut faire le tri entre des dénonciations douteuses et des choses plus crédibles. Et on sait que les inquisiteurs, la plupart des accusations ne les prenaient pas au sérieux, parce que c'était un moyen dans la société d'évincer un rival ou quelqu'un dont on était jaloux, etc. Donc il y a aussi une volonté d'être précis là-dessus. – On voit tout ce travail effectué dans le magnifique ouvrage de Leroy Ladurie, Montaillou, village occitan. – Voilà, alors Montaillou, village occitan. – Une enquête justement, dans cette montagne reculée, pour savoir ce qu'il en est. – Et donc la précision pour l'époque, la précision de la procédure, qui était plus ou moins la même partout, qui était contrôlée,
la nécessité de preuve, la possibilité de produire une défense. Tout ça, c'est des choses que l'Inquisition a mis en place. Ce qui fait qu'elle constitue, dans une large mesure, un progrès par rapport à ce qu'était la justice antérieure. Oui, parce que la justice, en plus, laïque, bon, il y avait les pratiques d'Ordali, mais notamment la justice seigneuriale était une justice un peu... arbitraire, brutale, et extrêmement brutale. Autre progrès de notre point de vue, c'est le système d'anonymat des témoignages. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, dans une société où il va y avoir des puissants, on ne va pas dénoncer le puissant parce qu'on a peut-être peur des rétorsions. Et donc, le secret de l'instruction, le secret des sources, etc., qu'on retrouve dans toutes sortes de professions d'aujourd'hui, c'est l'Inquisition qui va vraiment l'institutionnaliser à l'époque. Donc, édit de grâce pour que les gens spontanément se dénoncent, collecte de témoignages pour convoquer ensuite des personnes, et là ça se complique pour elles, et également ce qu'on appelle aujourd'hui les gardes à vue, c'est en quelque sorte l'Inquisition qui les institutionnalise aussi. C'est-à-dire que pour éviter que les personnes ne se concertent ou produisent de fraudes témoins, l'Inquisition va effectivement pratiquer quelque chose qui serait l'ancêtre de cette détention provisoire. Alors, le procès se déroule selon là aussi des codes. Alors, question très importante, parce que c'est l'un des aspects que la Légende Noire met en avant, la question de la torture. Mm-hmm. Alors, la torture, qu'on appelle à l'époque la question, mm-hmm. est une réalité de l'Inquisition qu'il ne faut pas nier. C'est une réalité qui se met en place 20 ans après la création de l'Inquisition. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que pendant les 20 premières années de l'Inquisition médiévale, la torture n'est pas autorisée dans ce tribunal-là, mm-hmm. à une époque où toutes les justices laïques pratiquent massivement la torture, justice seigneuriale et justice royale comprises. Et ça durera chez nous jusqu'au XVIIIe siècle. Avec Louis XVI. Justice parlementaire. Voilà, donc jusqu'à Louis XVI qui va abolir effectivement la torture. Alors il faut savoir que la torture en plus, au IXe siècle, avait d'ores et déjà été condamnée par l'Église. Donc l'Église a toujours une réticence et la torture va être pratiquée donc à partir de 1252 par une autorisation papale, mais de manière très codifiée, très réglementée et proportionnellement les violences faites par les inquisiteurs par rapport à ce qu'étaient les juges laïcs étaient plutôt clémentes. Alors ça reste parfois des souffrances qui sont atroces. Donc la question de la torture, attention, là aussi il faut complètement remettre dans un contexte et de voir que les choses étaient cadrées. Au terme du débat... C'est-à-dire que ce n'est pas l'Inquisition qui a créé ce modèle d'interrogatoire, et dans une certaine mesure, elle est même en retrait par rapport à ce qu'étaient les pratiques courantes du temps. Voilà, c'est exactement ça. Sachant pour tout ce qui est torture et tout ce qui est après exécution à mort, il y a l'utilisation de ce qu'on appelle le bras séculier, c'est-à-dire que l'Église a recours aux chevaliers, aux autorités laïques locales, pour exécuter les sentences. Hein, les moines bénédictins dans le tribunal n'étant pas autorisés à pratiquer ces actes de violence. Donc il y a... Dominicains. Les moines dominicains. Oui, j'avais dit. Vous avez dit bénédictins. Oui, dominicains, tout à fait. Dominicains. Donc on a également donc un débat qui est contradictoire, possibilité pour l'accusé de produire des preuves et de produire des témoins, ce qui est quand même notable, donc on peut se défendre. Et là, point très important, il faut comprendre quel est l'objectif de l'Inquisition. L'objectif de l'Inquisition n'est pas de condamner à tour de bras, n'est pas de tuer à tour de bras, mais de réintégrer les brebis égarées dans la foi catholique. Et les documents montrent que les inquisiteurs, lorsqu'ils n'arrivent pas à ça, c'est un échec pour eux. Un inquisiteur compétent, il réintègre le maximum de monde dans l'Église. Donc le but, attention, de l'Inquisition n'est pas de tuer les gens, mais de les ramener dans la foi catholique. Donc l'objectif est quand même très particulier. Ben, je crois qu'on a des chiffres concernant le fameux Bernard Guy, justement, où on voit qu'il a traité un certain nombre d'affaires et que les condamnations, finalement, ça représente une part tout à fait minoritaire. Alors, c'est l'avantage sur cette question, c'est qu'on a beaucoup de documents, même s'il y a des choses qui ont disparu, on ne peut pas être très précis. Alors, Bernard Guy, c'est un grand classique qu'on étudie à la faculté d'histoire, qui a été le grand inquisiteur sur Toulouse, donc Toulouse étant qualifié de nid d'hérétique à l'époque, avec les cathares dont nous avions pu parler. Donc de 1208 à 1223, donc Bernard Guy a produit 930 sentences, dont nous avons des sources précises. Dans ces sentences, il y a 139 acquittements, donc des personnes qui ont pu démontrer
que les accusations d'hérésie étaient totalement infondées, qu'ils étaient de bons catholiques, et donc du coup, il y a acquittement. Il y a 286 peines religieuses, c'est-à-dire que la personne doit effectuer une pénitence. Des pénitences, et en fonction du niveau d'hérésie, ça pouvait être un pèlerinage, voire une obligation d'aller se croiser, de partir en Orient, donc tout ça a été gradé. Et puis également dans les peines religieuses, il y avait la fameuse croix jaune, c'est-à-dire que la personne hérétique devait graver sur ses vêtements, coudre une croix chrétienne jaune, d'une pour être repérée par les clercs et autres comme quelqu'un qu'il fallait particulièrement suivre sur le plan théologique et spirituel, et puis aussi c'était une peine infamante. Dans cette société chrétienne. Donc, des peines religieuses qui sont très nombreuses, des peines d'emprisonnement, 307 peines d'emprisonnement, et là aussi, l'Inquisition marque dans l'histoire du droit une avancée du point de vue de nos codes d'aujourd'hui, c'est qu'avant l'Inquisition, la peine d'emprisonnement n'existe pas dans la mentalité. C'est vrai dans le monde antique et dans le monde médiéval, c'est-à-dire que d'emprisonner des personnes pour une certaine période n'existait pas, c'est l'Inquisition qui a créé ce système-là. Donc notre système judiciaire doit finalement beaucoup à ces tribunaux ecclésiastiques. Donc l'emprisonnement qui était appelé le mur, donc on va emmurer quelqu'un, contrairement à ce que dit la légende noire, c'est on ne va pas le mettre dans un trou et mettre des briques devant lui jusqu'à l'asphyxie. Emmurer quelqu'un, c'est l'enfermer dans une cellule. Alors les conditions de détention de l'époque sont très dures, donc il faut être très clair, c'était une peine qui était très sévère. Néanmoins, il y a deux niveaux d'emprisonnement, deux niveaux de mur. En quelque sorte, le mur le plus sévère, c'est le mur étroit, où la personne, effectivement, a un régime alimentaire, des conditions de vie très dures. Mais il y a également le mur large, où la personne peut recevoir des visites de sa famille, apporter, sa famille peut apporter de la nourriture, etc. Et ce qui est même surprenant de notre point de vue, des autorisations de sortie pour aller à la messe le dimanche, pour les fêtes religieuses, dans des conditions de détention plus souples. Là, ça dépend du niveau de gravité de l'hérétique. Ce système carcéral, finalement, avant l'heure, se met en place avec un principe qui est des peines normalement à perpétuité, mais la documentation montre que pratiquement une peine sur deux était interrompu. Donc là, il y a une possibilité aussi d'aménagement. – Donc voilà, une mise au point extrêmement précieuse. – Et pour terminer quand même sur les peines, ensuite il y a 156 peines diverses qui vont de l'exhumation, c'est-à-dire que même un mort pouvait être jugé par l'Inquisition et donc on le retirait du cimetière catholique, voilà, donc là quelque chose de symbolique, le pilori, l'exil, etc. Ouais. Et donc M. Guy, sur ses 930 sentences, n'a pratiqué que 42 mises au bûcher, c'est-à-dire 4,5% des condamnés, moins de 5%. Et cette proportion se retrouve dans l'ensemble des tribunaux sur lesquels on a une documentation sérieuse. – Et il faut remettre tout ça évidemment dans le contexte de l'époque, ce qui montre à quel point les propos tenus par certains journalistes assimilant l'Inquisition à un totalitarisme de type contemporain, pêche complètement par anachronisme. C'est complètement hors sujet. Tout à fait répondu à cette question à travers notamment les chiffres que vous avez donnés. Et je crois que nos téléspectateurs, à l'issue de cette émission, auront sans doute un regard différent sur cette Inquisition qui connaît la légende noire que nous avons évoquée. Merci. Merci de votre invitation.